Salut, c'est Natacha. Jusqu'à présent, je connaissais Olivier Barbet en tant qu'écrivain et comédien. C'est aussi un communicant au grand cœur, créateur de l'association Talents en Partage. Mais le 13 août dernier, j'ai découvert une nouvelle facette de son talent. Il chante merveilleusement bien. Retour en images sur son concert Hommage à Nougaro à l'Edgar Café. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. J'ouvre, c'est toi. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile. Avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille. Danser sur moi, le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Les cigales crissent, les cigales frottent, maracas, crotal. L'endiablé foxtrot du règne animal. Les cigales frottent, les cigales grattent sur leur boîte à rythme, une sorte d'hymne de secte idolâtre. Dans une ferme du Poitou, qu'aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'air. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Waouh, quel talent et quelle ambiance à l'Edgar Café de Port-l'Aîné. Merci à Valérie et Olivier, magnifique duo son et lumière de l'association Slove. Et merci également à Chrisca pour ses superbes photos. Retrouvez Olivier Barbet sur le site Talents en Partage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je ne sais pas chanter moi. En revanche, je vous propose plein de vidéos sur ma chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner.